Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout à chacun de nous. Je crois que vous êtes dans la joie. C'est pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous glorifions encore le Seigneur. Nous lui rendons les multiples actions de grâce. Parce qu'il a permis encore que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Il nous a donné le souffle de vie. Nous avons donné l'être et le mouvement. C'est pourquoi nous le sommes infiniment reconnaissants. Nous allons lire nos textes. Et après, nous allons chanter le cantique de victoire comme à l'habitude. Le chant Prenez la croix, garde-moi. On chante à la mandala, Saint-Jola, Onaé, Colosso. Là, c'est pour les frères qui vont jouer au synthé. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Nous allons dans Hébreux chapitre 11. Nous lisons le verset 31 au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Ira la prostituée ne périt pas avec le rebelle. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Nous prenons Josué chapitre 2. Josué chapitre 2 à partir du verset 1er. Ok, dans Josué chapitre 2, pour un amour et un nous lisons au nom de Jésus-Christ. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement des Sittim des espions. Allégati na kotinda na sekele na espion mi bade na Sittim pour ma Sittim. En leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchaient. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. Le verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin.
qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens le poursuivirent par le chemin qui mène au quai du Jourdain. Et l'enferma la porte après qu'il fut sorti. Avant que les espions se couchassent, Rahab se couchasse. Rahab monta vers eux sur le toit. Et Rahab monta et leur dit, l'Éternel, je le sais. Koro nana yebi. L'Éternel Yahweh. Yahweh nana yebi. Vous a donné ce pays. Après ce nombre oyo. La terreur que vous inspirez nous a saisi. Somme oyo vous a apporté ça ici et si bibiso. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous le sceau de la mer rouge. Et comment vous avez traité le deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain? Sion et Og. Sion et Og. Que vous avez dévoué par interdit. Oyo, Obomaki Bango. Obomaki Bango Nyonso. Obomaki Bango Nyonso. Vous l'avez appris, nous l'avons appris. Iso Toyokaki Ango. Et nous avons perdu courage. Peto Zangi Makas. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et il y a mon avis sur Nyonso et l'impi du Boson à Bozalsinabino. Car c'est l'Éternel. Votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux. Et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie. Jurez-moi par l'Éternel. Jurez-moi par l'Éternel. Que vous saurez, on appelle la Gaïnaï, c'est ça, jurez-moi par l'Éternel. Que vous saurez pour la maison de mon père la même bonté que je lui pour vous. Et depuis que vous avez la volante, on a la volante. Donnez-moi de l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit, nous sautons le verset 17. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, à nous attendons des filles cramoisies à la fenêtre. Et fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de toi. Peyamba, naka
et toute la famille de ton père. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture que nous venons de faire. J'ai dit que le Seigneur Jésus bénisse la lecture que nous venons de faire. Oh,
aussi efforcez-vous d'entrer dans les repos. Moi qu'on avait prévu d'arrêter le dimanche passé. Mais le Seigneur a fait que nous puissions encore continuer. Que son nom soit béni. Parce que c'est lui le maître de l'œuvre. S'il t'appelle à l'œuvre, tu dois travailler. Parce que c'est lui le maître de l'œuvre. Travailler. C'est pourquoi les gens ne doivent pas combattre dans l'œuvre de Dieu. Se combattre dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre n'appartient pas à un homme. Parce que l'œuvre appartient au Seigneur seul. Comme tu es un homme, tu peux dire que je
Bannis l'orgueil de ton cœur. Bannis tout ce qui est la haine dans ton
cœur. Épargne tout ce qui est comme le manque du respect de la parole dans ton cœur. La prostituée.
vous dis que c'est un très grand enseignement. Il ne va pas s'épuiser avec nous. Et les gens auront à l'enseigner d'année en année. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez attentifs. Parce que là-bas, on nous parle de la foi. Pour nous exhorter, pour à faire aussi un effort d'entrer dans le royaume. Parce qu'on entre dans le royaume par la foi. On dit pour vous qui croyez. Pour nous qui croyons, nous entrons dans le royaume. Pour que nous entrons dans les repos. Nous, on entre dans les repos par la foi. Et on avait montré quand on était dans la foi, il y a beaucoup de problèmes aussi qui s'élèvent. Yeah.
Parce qu'elle ne voulait pas livrer ces gens-là à la mort. Elle a gardé ces gens-là. Je dois bien les reprendre.
l'enseignement ou la parole de Dieu. Paul savait
pour la Yébaki. Nous sommes un autre enseignement, mais c'est une brèche que le Seigneur a ouverte. Il n'est pas honte ni témoignage à notre Seigneur Jésus. Et la solidarité, la pour la tina pour la Jésus Christ. Vous fixez vraiment les yeux.
salut. Vous n'avez pas dit encore la tia au micro d'Abino. Le fils de Blanc. Et de voilà, tu vois, avec ce qui. Le fils de Blanc. Non, comment tu vois, avec ce qui. Nous ne sommes pas une église qui joue avec l'enseignement. Nous allons éclairer, ça va être dans la canalisation. Nous ne sommes pas une église qui fait des compromis avec tout le monde. Nous allons éclairer, ça va être dans la canalisation. Parce qu'un prédicateur. Et Seigneur, il peut pas raconter la paix ma commis. Vous voyez, les chefs étaient dans l'aveuglement. Au moins, ils ont dit qu'ils étaient restés dans l'air loi. Ils avaient le sentiment de la loi. Mais toi, tu fais des miracles. Tu fais vraiment, tu ressuscites les morts. Tu fais marcher le roi. Mais ce que nous avons contre toi, tu ne respectes pas les sabbats. Oh, ils ont dit que nous avons tous. Il pourrait se faire que je lis mal devant vous.
vous en mettez, en haut de la bambine, en haut de la bambine. Alors, comment est-ce que tu vas venir chez moi pour me dire que tu as mal élu? Parce que c'est de ton droit de me dire que j'ai mal élu. C'est dans lui, dans le côté, dans le côté, vous en mettez, Nathan, il m'a fait, sauf qu'il n'a pas équipé ma bête. Parce que ton salut, c'est dans l'enseignement. Oui, c'est dans le côté, dans le côté, dans le côté, dans le côté. Vous n'allez pas nous dire que vous ne savez pas lire. Vous savez lire, parce que vous tous ici, vous savez lire. Mais pourquoi quand il s'agit des écritures, vous ne lisez pas? Pour la limite, c'est que vous avez dit 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 que vous avez dit. La richesse, il faut le mettre dans un livre. Et Seigneur, comme il n'a pas la lecture des livres, il ne va pas trouver l'argent que tu as mis dans les livres. Nous devons quitter ces habitudes-là. Il faut apprendre à méditer les écritures jour et nuit. Même par jour. Et la dame au colonial. Tu lis un chapitre même par jour. Ah, là où tu ne comprends pas, tu viens poser la question. C'est pour cela même on établit les sacrificateurs, les serviteurs à l'église. Ah, na mone batiaka bangalanzambe basali na kati l'église. Pas d'abord avancer dans les grandes choses sans que vous ayez des bases. Alors si vous ne lisez pas les écritures, vous êtes toujours dans les commerces, vous êtes toujours dans les études, vous êtes toujours dans les préoccupations multiples, vous ne lisez pas les écritures, vous ne lisez même pas l'enseignement, vous êtes quand est-ce que vous allez grandir? Alors vous n'avez pas vu dans l'enseignement, c'est pour ceux-là qui sont devenus des grands. Et que vous n'avez pas dit qu'on a battu au bacoli. Ève, on n'avait pas créé une petite fille. Le Seigneur ne l'avait pas créé une adolescente. Le Seigneur avait déjà créé une femme mûre, mature. Pour qu'elle puisse participer au mariage. Si elle n'était pas mature, elle n'aurait pas été épousée. C'est même le cantique des cantiques. Nous avec nous, et on dit petite sœur. Lui qui n'a pas encore de maman. Qu'est-ce ferons-nous lorsqu'on viendra la chercher? Qu'est-ce qu'on fera lorsqu'on viendra la chercher? Parce que tu n'es pas encore mature. Lorsque l'enlèvement viendra, parce que toi tu vas te retrouver. Yo, koza la wa. Tu seras qui? O koza la nan. Une petite fille. O koza la. Elle est bien moisie. Une femme nue. Donc koza la. Moi ça pour la frère. Ah ma petite zone de la table de combat. Et surtout beaucoup plus les frères doivent s'exercer. Vous les amis vont bien combien les amis comme ils pensent à mingi. La parole de Dieu s'exerce. La Dieu va nous aider par misère et sacre. Ça c'est pour la vie éternelle. Et d'aller de quoi la voir une asseco. Vraiment c'est que la que le Seigneur puisse vous faire grâce. De considérer les choses de Dieu. Et surtout la parole de Dieu. Consacrons aussi le temps pour la parole. Pour Dieu. Pour Nazambé. Il n'y a qu'un seul travail. Et il n'y a qu'une seule affaire. Et il travaille pour la nourriture qui ne périt jamais. Et ça, la bonne c'est énorme. Tu dois avoir le travail de la nourriture qui ne périt pas. Et Seigneur, si tu peux faire toutes choses, tu
parole. Maman a dit que Rahab, on dit Rahab,
Alors, il a fait réussir les espions chez elle. Et on a dit que ces espions-là, c'est la parole et l'esprit. Mais Rahab, c'est nous. Nous vivions dans les péchés. Nous vivions dans la vie du monde. Nous vivions dans la vie du monde. Parce que la parole est venue dans notre vie. Parce que la parole est venue en nous. Notre vie du monde a cessé. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus des prostituées. On est dans la maison de Dieu qui est la parole. Et on a reçu ces gens-là. Ils ont Jean chapitre 14, verset 23. On dit ceci. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Les fils et les pères viendront chez l'homme qui garde la parole. Et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez, c'est le père et le fils. Le père, c'est l'esprit. On dit que Dieu est esprit. Et le père, c'est la parole de Dieu. Et c'est l'image de deux hommes que Rahab avait gardé chez elle. Et nous aussi, nous devons garder la parole de Dieu. Et ces deux hommes-là, nous devons les placer sur les toits de la maison. La maison de Dieu peut représenter aussi l'homme lui-même. Donc les deux hommes doivent prendre la tête. C'est les deux hommes qui doivent être comme les chefs de la femme. Parce que nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur puisse vraiment mettre son amour dans nos cœurs. Et que nous ne puissions pas seulement confesser Jésus des lèvres. Mais que nos actes aussi puissent témoigner Jésus. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci, merci pour la parole de ce soir. Ozali Zambé na elonga, Ozali Zambé malamukolo. Kombo na yende, samanango Jésus. Ozali malamu mingi Zambé na bolingo. Elonga ya ba sang Jésus. Yonde Ozali musungi ya solo nkolo. Ibanda na yo Zambé musisi Ozali te Jésus. Ibanda na yo lobiko Ozali te Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à conseiller les choses. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, oh, Dieu, que nous ne devons pas être profanes comme les hommes. Il pourra même, oh Dieu, il a vendu son palais. Nous allons soumis à solo, Jésus. Oh Dieu, assiste-moi, Seigneur. Assiste-moi, Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu. Nato samalobana yo Jésus, à pratiquer en haut dans ma vie, Seigneur. Moi seul je ne serai pas, Seigneur. Moi seul je ne serai pas, Jésus. Fais-moi grâce, Yahweh, Dieu, à obéir à ta parole, Jésus. À marcher selon ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Salanga imbolna persévérer dans ce chemin, Jésus. Malgré les réalités de la vie, Zambé, on a persévéré toujours, Seigneur. Jésus.
Yoko Tikangaïté, Seigneur. Sois avec moi, Jésus. Marche avec moi, ensemble. Oh Dieu. Nakukana Eloko te Zambé, je suis faible, Seigneur. Nazali motona botaunga yo Zambé. Salanga ibolamu, Seigneur Dieu. La batte la malobana yo, Jésus. La tambolana yango, Seigneur Dieu. Avec beaucoup de crainte et tremblement, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, salanga ibolamu, Jésus. Salanga ibolamu. Oh Jésus, salanga ibolamu, Zambé. Yo Zambé, malamu minikolo. Yo Zambé. Rakana bango yawe onani ninga peteo onani ninga peteo onani ninga peteo obato yakala batambola kinayo obato yakala batambola kinayo Oh,
Bonani ni na pete o.